L'actualité au Pays Basque, c'est l'événement que les habitués du rugby attendaient ou redoutaient, c'est selon. Au terme d'un incroyable scénario, l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique se retrouvent samedi à Aguilera pour un derby qui enverra ou maintiendra un club en top 14 et l'autre en Pro D2. Depuis le début de semaine, c'est l'effervescence sur le BAB. Les deux meilleurs ennemis ne s'étaient pas affrontés depuis le 4 avril 2019 et la victoire du BO à Bayonne 19 à 14. Le stade était plein. Cette fois, la crise sanitaire vient ternir les ardeurs qui entourent cette fête populaire. 5 000 personnes pourront suivre la rencontre à l'intérieur du stade Aguilera. Mais les autres n'auront droit qu'à leur télé, à l'exception de supporters privilégiés avec passe sanitaire dans les fan zones de Bayonne et Biarritz. Pour éviter les attroupements et limiter les risques d'une éventuelle contagion, la préfecture a pris des mesures de restriction. Samedi après-midi, il sera interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique à Bayonne et Biarritz. Les bars, cafés et restaurants des deux villes ainsi que ceux de toutes les communes du littoral d'Anglet à Hendaye ne pourront pas retransmettre la rencontre. Un coup d'arrêt pour les commerçants au moment où les protocoles sanitaires s'allègent. Mais l'État redoute de voir la pandémie repartir à la hausse en raison d'une concentration trop importante de la population. Les supporters du BO et de l'Aviron devront ronger leurs freins pour encourager leur équipe. Mais quel que soit le résultat, les Bayonnais ont prévu de rejoindre Jean Daugé à l'issue de la rencontre pour saluer leur public. Le maire Jean-René Tchégaray restera aussi sur les bords de Nivre pour suivre cette confrontation. Et comme souvent, le destin de ces deux clubs est lié par le résultat du derby. Au-delà des moqueries et querelles du clocher qui alimenteront les discussions de l'été, c'est l'économie du perdant qui en souffrira le plus.